Et bonjour la France. Alors là, on me demande, Jean, je voudrais reprendre l'entraînement comme je fais d'habitude, 5 heures par semaine. Mais ce qu'il y a, c'est que je suis père de famille. Donc, qu'est-ce que je peux faire? En fait, qu'est-ce que tu me conseilles pour pouvoir continuer mon entraînement alors que je viens juste d'être père de famille? Alors, c'est une question qui est délicate parce que quand tu es père de famille, en fait, tu as plusieurs rôles. Tu en as 4 rôles en fait. 4. Tu es père de famille, tu es le papa de ton enfant, c'est-à-dire qu'un père, c'est l'autorité, le papa, c'est plus l'amour. Après, tu es un mari. Ou tu es une concubine de quelqu'un, et puis après tu as toi en tant que personne. Il est important qu'il y ait toujours cette balance entre ces quatre. Ne pas négliger un, ne pas favoriser un. Si tu en favorises un, il faut qu'automatiquement les autres pensent le retour. C'est-à-dire, si tu passes du temps constamment à t'entraîner, et que tu négliges ta famille, tôt ou tard ça va te faire du mal. Si tu passes du temps à t'entraîner et que tu ne t'occupes pas de ton gosse à un moment va se poser des questions, il va se demander qu'est-ce que tu fais. Donc, pourquoi tu passes pas du temps avec moi et tu passes du temps en fait à l'entraînement? Donc il faut à tout prix que cette personne-là, tu comprennes bien, il faut qu'elle comprenne que tu fais ça pour une raison. Par exemple, moi j'ai mon gamin, il a 12 ans. Quand je travaille, mais il sait pourquoi je travaille. Je l'ai inclus dans mes rêves, il sait pourquoi je fais ça et il a toujours les bénéfices. Je lui montre pourquoi. Papa, il passe pas du temps avec toi en ce moment parce que si ou ça. Maintenant, en retour, ce que je vais faire, je vais t'acheter ça, je vais t'offrir ça ou on va faire ci ensemble, etc. Donc je l'investis toujours dans mon objectif. Donc, il est important de partager ça. Maintenant, si au niveau du temps, tu as vraiment peu de temps parce que par exemple, tu bosses, tu vas te lever, tu peux te lever plus tôt le matin, tu peux te coucher plus tard le soir. Quand le gamin est à l'école, si tu as le temps, bien sûr, je sais pas ton planning, tu peux faire du sport. Donc, et puis si elle a la salle, et bien, ça te coûte trop de temps, et bien, pourquoi pas, tu construis pas une salle chez toi. Tu t'investis, tu viens travailler chez toi. Ça, c'est une autre chose que tu peux faire. Mais c'est important de s'entraîner, oui, c'est important de s'entraîner. Tu peux t'entraîner tous les deux jours, c'est correct pour avoir des résultats, à partir du moment où ce que tu mets dans les heures d'entraînement sont solides. Voilà.